Bonsoir tout le monde, c'est avec un pile plaisir nous ensemble, on fera encore après-midi hein, pour nous continuer à parler comme d'habitude. Nous faisons toute semaine, hein, mais jeudi à nous venir dans une occasion spéciale pour nous parler. Nous connaissons déjà et conjoncture hein, et tout ça qui gagne la donne comme actualité. Et nous t'entendons ça et un pile bruit qui t'a couru, on t'a demandé est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai, il y a une question de démission Premier ministre. Et Jean-Michel Lapin qui a parlé, et bon, nous tendez tout. Et il y a un secrétaire général Conseil des ministres, même qui a lancé des appels, mandel pour le démissionner, pour lâcher pied président. Et il y a un mouvement de protestation qui a annoncé dans la rue à demain, si tu veux, séance ratification, grève dans la fonction publique. Ou ensemble de points, nous allons essayer d'aborder de manière spéciale aujourd'hui hein, avec le principal concerné, hein, Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin, qui est téléphoné avec nous pour nous aborder toute question saillante et dans l'actualité avec nous. Premier ministre Lapin, bonsoir, merci parce qu'on est disponible pour nous après-midi. Hein. Bonsoir, je vais vous permettre de saluer tout auditeur Radio Télé-Guinée qui branche Radio. D'accord. Nous bien contents de gagner là pour nous faire le point, pour nous garder. Ok, c'est ça. Parce que pendant tant de tout ensemble de mobilisation qui est annoncé, mais avant, on garde pendant toute semaine. Tu as une information qui t'a fait comprendre que ou font craser quitter ça, ou la démissionner. Bon, on connaît que gagner information sur les réseaux sociaux, il y a les vite. Surtout, ça, qui est information qui va vrai. Donc, hier, après que le secrétaire général du Conseil des ministres, lui-même, était venu dans des stations sœurs pour le faire comprendre que le Premier ministre Jean-Michel Lapin, pour qu'il a démissionné, pour qu'il permette que la situation tourne à la normale, parce qu'il va arriver à dégager au majorité. Donc, si effectivement c'est ta responsabilité de nous donner une chance pour nous dégager en majorité au niveau parlement, donc ça veut dire automatiquement que le président gagne à chaque fois le bon gouvernement qui est un premier ministre, c'est la majorité pour lui-même capable de mettre pression. Parce que l'on a gardé après nomination au Premier ministre. Et même le ratifier que le président lui-même n'est pas capable encore d'intervenir pour l'évoquer, c'est toujours le cas ça lui utilise. Donc, ça nous va besoin de faire bac. Nous, ouais, c'est ça qui s'est passé dans le cadre de ces semaines. Donc, dans le cas, dans ce sens, moi-même, je vais faire vraiment une importante déclaration. Secrétaire général du Conseil des ministres, là, qui lui-même, même Jean tout homme, hein, qui voulait en paix avec conscience, deux populations. Donc, moi, pense que dans un temps pas trop long, secrétaire général l'a bien vu. Michel Devine dit ça, l'a bien voulu tourner dans la presse pour le bail vérité, là, pour dire exactement qui ça l'a cherché. Donc, là, ça, population, lui-même, n'est pas obligé. Jusqu'à présent, mon premier ministre nommé, m'attend invitation au niveau Sénat pour me capable moi-même à présenter déclaration politique généralement. Un document qui gagne pour une ratification du Parlement parce que nouvelle orientation, nouvelle gouvernance là, à travers le document, ça n'est pas l'autre bagaille. Éducation, santé, sécurité, nouvelle gouvernance. Réforme administrative, réforme institutionnelle. Je dis, le moment est venu pour nous capables d'orienter le minimum qui gagne vers les services publics. C'est seul l'État capable de vivre sous population. Et peut-être qu'il y a un groupe qui sent menacé à nouvelle orientation, ça, parce que nouvelle orientation ça, a visé écraser le monopole. En temps, institution d'État. Nouvelle orientation, ça, l'a crasé. Mauvaise gouvernance qui empêchait que l'école ne fonctionne. Que le centre de santé ne fonctionne.
qui a empêché que l'hôpital général tourne sa routine dans le temps, qui a empêché que le lycée tourne sa routine dans le temps. Donc, c'est ça. Nous-mêmes, nous voulons offrir aux populations. Et c'est comme ça que nous voulons aider le président de la République, là, qui lui-même partageait une vision bien avant d'être était choisi comme premier ministre. Ou toujours été motivé, solidaire avec tout membre gouvernement yo pour Alton et Parlement statué sous déclaration politique générale OA, surtout Sénat. Pas bien, ou pas bois, c'est la Constitution. Donc, si au niveau Parlement, il n'y a pas d'accord à la nouvelle orientation, il n'y a pas satisfait. Mais pas arrivé comme les arrières font vote, qui n'a pas considéré comme vote populaire, n'a pas considéré comme vote peuple. Les automatiquement, n'a fait sa constitution, dit, mandé pour faire là dans le cas. Où est toute fragmentation qui gagne au niveau COA? Est-ce que, ou même dans la recherche d'harmonie, ou si tu as parlé avec ensemble de groupes, différents groupes qui gagnent et problèmes à poser, ou si tu as parlé, nous parler? Moi, parlé avec des groupes. Sénateur, malheureusement jusqu'à présent, on n'est pas arrivé à parler avec le groupe de sénateurs qui au nom de quatre, qui ont même demandé. Jusqu'à présent, ils n'ont pas demandé que vous parlez. Vous avez une modification de la loi. Et c'est sur ça que nous travaillons avec le président et nous passer. Nous obligés pour qu'on réponse à ça. OK. Mais le secrétaire général du Conseil des ministres sont un élément important qui a demandé ou même pour faire quitter ça, pour qu'il lâche le président, pour qu'il dénoue la crise là. Le secrétaire général du Conseil des ministres, pas un ministre. Pas qu'on a d'importance pour le Bali. Bali, le ministre là, est juste pour encore une fois accorder une série de privilèges à des gens qui ne méritent pas de privilèges. Et là, ça, c'est l'État qui paye ça. Et là, ça, c'est moins ou moins un gain pour nous porter bon service à la population. Donc, je parle de l'importance du secrétaire général. D'ailleurs, elle va même pas parler pour des 10 à l'île. OK. Donc, l'important, ça, c'est la chercher, hein, ou bien que vous-même, vous voulez parler à quelqu'un qui n'est ni politique ni administratif. Moi, je prends comme une déclaration que n'importe quel citoyen peut faire. Bah, quoi, c'est comme il dit, tout ça ou non. Et c'est pas en tant que secrétaire général conseil des ministres. C'est pas un droit de décision dans le conseil des ministres. Kounia là, PM, autant de pendant toute semaine, là, il y a et annonce de mobilisation qui a fait et de groupes monde qui va manifester pour une série de revendications nous même au niveau l'État qui j'en ont saisi ça et qui ça gagne en termes de préparation nous connaît monde a sorti quand même une manifestation qui a annoncé bon là tout le monde connaît sécurité publique c'est responsabilité de l'État. Ce n'est pas les gens qui ont bénéficié, c'est responsabilité de l'État tout le temps, dans toute situation. Manifestation, c'est un droit qui garantit la Constitution, mais qui est limite. La Constitution dit, mais qui vient tout le monde, tout groupe de manifester. Mais la police est responsabilité de l'État à travers la structure de sécurité du tout. Il y a responsabilité, il y a garantie la vie et bien tout le monde. Que ce monde qui a manifesté, que ce monde qui n'a pas manifesté. Donc, dans ce sens-là, le monde qui a manifesté, il respecte droit le monde qui n'a pas manifesté, qui n'a pas décidé de manifester. Le monde qui a manifesté, de respecter bien le monde qui n'a pas manifesté, qui n'a pas décidé de manifester. Donc, c'est responsabilité de la police pour prendre toute disposition. Toute disposition dans le cadre de la loi pour lui assurer la sécurité des manifestants sur tout parcours que nous avons fait. Donc, dans le cas contraire,
moun li gen responsabilité ka organiser manifestation yo konnen bi yo guide et orienter comportement tout moun. L'État, à travers la sécurité, encore une fois, face à la sécurité, après la responsabilité constitutionnelle de la cadre de la loi. C'est-à-dire, demain, la police a garanti la sécurité. Et bon, quel monde qui va dans la rue pour manifester et quel monde qui va aller. Et ça, c'est ça qui nous veut annoncer. Oui, la police gagne tout moyen qu'elle a exigé pour remplir mission demain, après demain, après demain. C'est responsabilité de la police. Et la police en état pour être capable de remplir responsabilité ça. Particulièrement demain, dans le moment, il y a un groupe qui décide de dénoncer, manifester ses droits que vous gagnez et sa garantie par constitution. Mais vous même tout en échange, comme moi ça dit. Donc, il y a deux voies tout. Vous respectez bien le monde, vous respectez tout le monde, qui n'ont même pas décidé de manifester, ou du moins ce qui n'a pas partagé, même frustration qu'a traversé. Maintenant, pour entrepreneur, comment nous mettre en confiance, parce que nous connaissons à chaque fois qu'il y a une série de mouvements sérieux. Et hommes d'affaires, entreprises, yo, toujours victimes, soit yo vandalisé, yo, crasé, brisé, yo, boulé en pile là-dedans. Donc, comment au niveau de l'État, au niveau de l'État, nous pouvons mettre les gens en confiance que yo pap victime, entreprise, yo pap victime demain? Responsabilité de la police, bien entendu. Non pas qu'à un policier entrepreneur, nous avons garanti que l'entreprise n'est pas victime. Mais seul garantie, nous avons. Premier, pour les entreprises qui victimes de un manifestant, de un groupe manifestant, donc l'État a réagi dans le cadre de la loi. OK. Donc ça veut dire demain, nous clair, et l'État à présent pour l'État à présent. Parce que ça nous toujours remarqué, c'est que moun yo konn a lèz pou yo fè de zak de vandalisme, krasi bagay moun et puis tout ça passé tant que c'est rien qui fait gen pile pèt nan secteur privé a kon sa tout konn gen de moun ki mouri tout nan jan de mouvement sa yo ce que ne pas souhaité ki fait mais bay garanti l'état à présent comme entité pour garantir l'ordre la paix dans les pour répéter n'a pas annoncé à tout peuple haïtien. Et ceci sur toute étendue de droit, que l'État, au plus haut niveau, décide et déjà mettait toute institution qui l'a poussé. On a parlé de la police, on a parlé de sécurité publique, on a parlé de la justice à travers le commissaire gouvernement, à présent et au doué présent. Pour assurer sécurité toute vie et tout bien sur tout parcours manifestation demain matin. Donc, si vous n'avez pas répondu à l'appel, l'État tout, en échange, au plus haut niveau, a décidé. Quand vous avez décidé, encore dans le cadre de la loi. OK. Et maintenant, on a fait regarder et avant de rentrer dans bon, n'importe le Sénat a décidé de reprendre la séance là. Et nous avons parlé déjà des rumeurs et où ça y est. Mais je n'ai pas quelques responsables, par exemple des parlementaires qui reprochaient, malgré gagner un gouvernement qui peut recevoir bénédiction parlement. Estimé gain de nomination qu'a fait dans fonction publique là et ou même ou validé yo surtout reproché ou même ça est-ce que gain des bagages comme ça qui fait et pendant ou poko et passer devant parlement est-ce que gain des nominations que vous fait dans fonction publique là ou nommer moun ou révoquer moun est-ce que ça gain des bagages comme ça bon
nous avons tout profité des micros de l'Ivadier Téléguinée pour nous informer parlementaires ou bien groupes parlementaires, opinion publique en général, qui n'a qu'à mission de gagner en tant que Premier ministre, qui fait liquider les affaires courantes. Malheureusement, nous devons joindre un dossier pendant qui date d'octobre jusqu'à mars, qui était de reporter, qui était de joindre l'approbation de la primature, puis était capable de rentrer dans le circuit financier de l'État, avec dit que nous avons touché. C'est ça que je vous dis. L'État, ça, tout le monde a constaté, dans le niveau de la santé, on a fait grève, parce qu'il n'a pas touché depuis 7 mois. C'est le même dossier, ça a eu. Que moi-même, tout le monde vient de niveau la police, la dernière promotion de la police, là, c'est pendant que je suis venu comme Premier ministre à dire que moi-même, j'ai aussi un dossier qui permet que les policiers, dernière promotion, après 7 mois, réussissent à arriver touchés. Donc, c'est pour me dire, nous avons des priorités avec le dossier, ça, la police, professeurs, infirmières, et jusqu'à présent, on a continué à signer toujours. Parce qu'il y a un pile professeur. Est-ce que le parlementaire, ça, veut continuer pour professeur pas toucher dans le pays? Le parlementaire, ça, veut continuer d'accord pour infirmière, docteur, pas toucher dans le pays? Ça, est-ce que vous voulez continuer d'accord pour petit personnel dans le niveau ministère des Affaires sociales qui n'a pas touché depuis 7 mois, puis on va toucher. Pendant que eux-mêmes, les parlementaires, eux-mêmes, ils ont touché. Ils ont fait, ils ont tout privé de l'État. Donc, je veux dire, moi, je pense que son dossier qui fermait, on a invité les parlementaires, puis on cherchait plus d'enseignement, plus d'informations, puis apprendre comme système. Il va trop tard. Pour que mon apprenne à toute place. Ou gagne en pile expérience dans la fonction publique là et ou pour arriver premier ministre, en pile monde félicite carrière, mais ou est en pile côté, soit dans le ministère affaires sociales, ministère planification, ministère commerce, dans la santé et même l'autre pouvoir indépendant, c'est la justice, tout en grève. Il y a un pile mouvement grève qui a fait dans l'entité ça. Ou même qui gens ou vivent bah, ça pendant ou rempli fonction et premier ministre Sarah. Je dis tout le monde, et la population, et tout le monde qui touche, qui est dans la catégorie monde, ça a été identifié. Ça, c'est l'héritage de 30 ans de mauvaises décisions dans la fonction publique. C'est toujours bien ça. C'est toujours bien ça, c'est l'héritage. Mais c'est ça, c'est différent, ça me le fait. Je demande un seul bagage. Pour comprendre que je dis aux fonctionnaires, aux agents fonction publique, même j'en avais eu, qui a une chance de venir Premier ministre. Parce que le Premier ministre, là, c'est lui-même qui est chef d'administration. Donc, je vais vous garantir. C'est pour ça, je vais demander de regarder le calcul. Parce que je travaille pour changer la situation fonctionnaire dans l'État. C'est une mission qui me bat tête. Et si, qui comme nous allons faire comme mauvais ministre, bien entendu, après bénédiction, parlement, moi-même, Jean-Michel Lapin, ancien fonctionnaire de l'État, qui est encore fonctionnaire de l'État, qui passait dans toute composante de l'État en termes de poste, va arriver, changer situation fonctionnaire de l'État au plus bas niveau. M'a considéré et échec 30 ans carrière depuis que m'a servi l'État. Donc, même en dehors, il y a regardé calcul. Revendication, il y a quelqu'un qui juste, quelqu'un qui pas juste tout. Nous-mêmes, on va laisser reporter une réponse par toute revendication et ceci à partir de ça, la loi dit. OK, t'as l'air tout ça au pral pote satisfaction avec revendication yo, ou t'es dit si parlement ba ou bénédiction, mais s'il pas ba bénédiction,
ou à considérer le temps qu'on vote populaire. En clair, ça te veut dire, si ou à bénédiction, bénédiction à considérer le temps qu'on vote populaire. Parlementaire, c'est le représentant du peuple, il a décidé de vendre du peuple. Je pense que tout, avant qu'il ait décidé, ça va le décider, pour qu'il puisse chercher côté intérêt du peuple. Je dis à ma croix que l'intérêt du peuple est dans la crise du Zébi. Je dis à ma croix que l'intérêt du peuple est retiré comme le corps de PAM. Je dis à je ne crois pas que le changement du système qui a demandé et un groupe de monde qui a capoté. Pour continuer, le changement du système. C'est tout le monde. On est obligé dans l'État pour contribuer au changement du système. Si vous voulez changer la mentalité, vous pouvez apporter contribution au changement du système. Ça. Donc, on voit des. Censure au niveau parlement à politique généralement, ou du moins sa orientation qui m'a le l'État, considéré comme un vote populaire. Et là, sa population lui-même a cherché à comprendre qui est ce qui a défendu l'intérêt. Je vais faire tout ça, je connais. Je vais faire tout possible pour m'essayer de convaincre. Pour m'essayer de convaincre que aujourd'hui, il faut que nous plantions l'espoir. Il faut nous planter l'espoir dans l'éducation. Il faut nous planter l'espoir dans la santé. Parce que si nous voulons parler de développement paysan dans 20-25 ans, c'est là qu'on a. Il faut que nous puissions penser avec le renouvellement de génération. Et pas gain ou pas bois. Éducation, santé. Éducation, santé et Premier ministre, mais. Ou après entrer et là non, bon avec bénédiction parlement si ça arrivait donc non mois de juin côté le 30 juin faut que budget 2019-2020 a déjà déposé alors que nous avons ensemble de budget là nous dans situation budget rectificatif et nous avons pas qu'être rendez-vous pour cette année par exemple l'organisation des élections donc c'est tout et ensemble vide que ou ap gagner pour combler et avec comment on va le faire pour bon, mettez les bouchées doubles pour arriver à combler tout l'espace. Ça. Non, nous avons raté en pile occasion, c'est vrai, en pile rendez-vous, c'est vrai. Mais toute sorte de dire là, c'est encore responsabilité du Parlement. Le Parlement, bien en même, il va faire ça. Parlement, bien en même, il va tomber. Tout comme le Parlement, bien en même, pour les. Donc, le Parlement n'a plus de responsabilité. Mais si le Parlement va avoir une réponse pour toute sorte de violence. Oui, c'est la responsabilité du Parlement pour faire Jean de Barry ça. Mais nous connaissons tout le budget que nous avons parlé. Il faut que le ministre des Finances, qui. Bon, de toute façon, c'est la responsabilité du Parlement. Donc, où est le Premier ministre? Il faut regarder qui Jean pour la bonne des questions. Bien que vous dites c'est éducation santé. Mais il y a une question et la vie chère qui bat. Ça, c'est de Barry qui peut être fait sur le plan conjoncturel pour apporter des solutions. En attendant. Problèmes structurels ou résoudre, qui ça nous a fait là? Bon, faut que nous, avec la vie chère, faut que nous prenions dans l'autre. Faut que nous soyons tous d'accord, du moins nous mettons d'accord que Haïti a fonctionné dans un système économique qui n'est pas arrivé en économie de consommation. Et acheter et vendre. Et pour notre système, ça, on va parler de développement économique. Donc, il y a un peu de fort en fait. On dit qu'il faut faire déjà. Depuis des ans et demi, il y a un peu de place. Et un plan en même, c'est que l'on a un peu de fort. Oui, mais, monsieur Lapin. Oui.
Ou t'avais expliqué nous t'allais là, bon, de problèmes qui gagnent surtout dans l'instabilité politique pour nous joindre et développement économique. Je t'avais expliqué tout à l'heure. Justement, mais il faut que nous connaissions que c'est le bagage qui garantit le développement économique, c'est stabilité. Et stabilité lui-même, c'est cohésion sociale. Donc, cohésion sociale, là, il faut que nous cherchions dans le niveau. Dans trois axes, on sort et développer la loi, sécurité, éducation, santé. Pour faire une cohésion sociale, il faut que la population soit capable de bien faire vivre. Donc, je dis qu'il y a une nécessité de transformer l'État dans le centre de Carillon, l'État service. Donc, c'est l'État service là qui est capable peut-être, qui est capable de porter apaisement tout. Et c'est apaisement ça, qui est capable de faire cohésion, région sur douleur, c'est cohésion sociale là qui est capable de garantir la stabilité. Et c'est stabilité à permettre que nous ouvrions le pays à investissement étranger où nous sommes capables de sortir de la situation économique que nous avons aujourd'hui. Exactement. Mais là, et tant que tu as dit, le pigo et phase là arrêté et au niveau du Parlement. Nous avons regardé encore le Premier ministre et ça n'a pas empêché que. Entre autorités, surtout dans l'exécutif avec le législatif, nous avons un petit chita parlé qui fait. Est-ce que nous arrivons à prendre leçon de deux séances qui ont été avortées? Nous avons vu qui Jean et un groupe sénateur qui ont été jusqu'à la troisième qui a été annoncé à écraser tout le matériel. Est-ce que nous prenons leçon de ce qui passé et garder qui Jean pour nous aborder? Et surtout, les prochaines séances, on va l'annoncer, qui gens pour arriver à jouer une harmonie pour bien passer. Nous-mêmes, responsabilité qui nous a gagné dans ce qu'on a fait là, c'est de mettre nous disponibles avec les différents ministres qui sont dans le gouvernement, ce que nous avons fait. Donc, le monde qui a pour prendre le son, c'est le sénateur qui a pour prendre le son parce que c'était responsabilité eux-mêmes. Qui ont été remplis d'obligations par eux. C'est une activité même démocratique, mais nous avons seulement souhaité que la prochaine séance là, qui est faite dans un autre niveau. C'est, j'ai été commencé dans la première séance là, côté, il y a qu'à faire point de doigt, il y a qu'à répondre, et jusqu'à ce que la lumière jaillisse. Donc, moi, je pense que. En dans le Sénat, tout comme en dans le gouvernement, il faut gagner une certaine complicité de confrérie. Et c'est à partir de là, on est capable de faire respect l'une pour l'autre. Et pour capable et puis remplir la mission valablement, genre constitution, lui-même m'a déjà. Ok, PM nous pas fini, mais je vais regarder avec l'hôpital demain si je veux un message pour mettre la population en confiance par rapport à mouvement de protestation qui est annoncé. Donc, le message est clair. C'est que je me suis dit là, l'État, à travers la structure de sécurité, a répondu à la responsabilité. Il a répondu à la responsabilité valablement dans le cadre de la loi. Pour les garantir la sécurité tout le monde qui va décider de manifester. La garantie de sécurité tout bien, ni bien monde qui a quitté la caillou à manifester. C'est responsabilité de l'État pour garantir la sécurité bien monde. On sait tout, c'est responsabilité de l'État tout. Pour les garantir la sécurité tout bien monde sur le parcours. Manifestation, quel bâtiment privé ou public, quel véhicule privé ou public. Donc, dans le cas contraire, l'État a bien pour prendre responsabilité dans le cadre de la loi. Merci. Merci à vous, Premier ministre.